Hello everybody! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo Bullet Journal Moche. Alors, pour commencer, pour faire un bullet journal, il vous faut un bullet journal qui est ici, un feutre noir, un crayon à papier, un porte-mine, un crayon ordinaire, tout ce que vous voulez, mais un truc qu'on sait effacer, évidemment une gomme. Et moi, je rajouterais plutôt un stylo blanc qui est génial pour effacer les fautes qu'on fait. Alors, je vais vous montrer ma petite page de juin. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les guirlandes sont mal faites. Ça, on ne sait pas trop ce que c'est. La calligraphie est un peu mal travaillée. Évidemment, ici, on voit dans le bol, hein, les glaçons ne sont pas du tout à la taille réelle. Donc voilà, donc c'est parfait, hein, c'est génial. Donc ça, c'est la page de couverture. Après, j'ai fait une page calendrier. J'ai marqué mes petits trucs, les anniversaires, les examens, mes rendez-vous, bien évidemment. Je ne vais pas vous en parler parce que ben, c'est un peu, c'est pas très chouette. Et ici, donc, c'est un sport tracker. Donc, c'est les jours où j'ai fait du sport. Donc, on voit ici repos, renfort muscu en orange, danse aérobique en mauve et cardio en rouge. Comme vous voyez, ben, j'en ai pas fait parce que ben, le fait est que je ne sais pas vraiment marcher. La marche. Le yoga et des abdos. Ici, donc, c'est les mensurations plus poids, mais comme vous voyez, j'ai décidé de ne plus prendre mon poids parce que ben, ça m'énerve. Voilà. Après, on a les goals, donc les objectifs pour ce mois de juin. Donc, il y a me détendre et prendre 1 cm de tout de taille, mais bon, ça, on s'en fout. Le mood tracker. Donc, ça, j'ai fait en forme de cactus parce que j'adore les cactus. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il est très mal fait, mais c'est pas grave. Hein. Évidemment, ici on a les petites couleurs qui nous disent à quoi se correspond tout. Et comme vous voyez, il n'y a pas un seul jour où j'ai été triste. Donc c'est déjà bien. Ici, gratitude. Donc je suis reconnaissante d'avoir un petit chat. Je suis reconnaissante d'avoir une petite soeur si chouette que j'ai marquée ici par exemple. Et ici, dans le fond, j'ai mis un petit peu de masking tape. Donc les masking tape, c'est ça. C'est des papiers collants. Décoré, pas coloré, décoré. Alors mes petites victoires, donc ça c'est très drôle. Il y a, je me suis levée, hein. Ça c'est une victoire hein, évidemment. On est d'accord. Et après on a tout ce qui est weekly log. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça on voit tous mes petits trucs. Voilà, ici j'ai essayé des marqueurs, c'est des outline marqueurs, donc ça veut dire que les lignes extérieures, les bords extérieurs sont colorés. Je ne sais pas si on voit, mais ici par exemple il y a du mauve, il y a du mauve. Ici c'est du bleu et là c'est du noir. Je ne sais pas si on voit trop. Donc il y a ça, il y a ça. Puis j'ai encore laissé une toute page. Puis il y a les summer goals. Et ouais, parce que c'est bientôt l'été, donc. On met des petites goals pour l'été, des petits objectifs. Et ici, c'est le Summer Book List. Donc, c'est tous les livres que j'aimerais bien lire pendant mes vacances. Puis, c'est les 3 kiffs par jour. Suite à un livre qui s'appelle Les 3 kiffs par jour de Florence Schreiber, je pense. Et donc, je mets les petits kiffs par jour. Et voilà. J'espère que cette vidéo de Bullet Moche vous aura plu. Et je vous dis. À la prochaine!